podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous voici à la veille du carême, la grande et longue marche joyeuse de l'Église vers les cérémonies de la Passion et de la Résurrection du Seigneur Jésus, le temps où, poussés par l'Esprit Saint, nous suivons Jésus au désert, le temps du combat spirituel, le temps du silence aussi, et par là, le temps où on change ses habitudes. Nous allons marquer une pause dans nos rendez-vous du midi. N'y voyez pas un geste d'abandon pendant le carême. Les propositions sont multiples, elles sont de qualité. Partout sur le net, vous trouverez des retraites, des guides, des enseignements, des récollections. L'Église n'abandonne jamais ses enfants. Je vous remercie donc de votre fidélité et je vous souhaite une belle montée vers Pâques. Et n'oubliez pas que, à l'horizon de cet itinéraire, on trouve la présence bienveillante et protectrice de Marie et de Joseph, bien sûr parce que le carême commence un mercredi, mais parce que cette année spécialement, il est possible de s'en rendre compte puisque le 19 mars et le 25 mars sont les points culminants et centraux du calendrier qui nous amène à Pâques. Alors réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne à travers eux et par eux, et frères et sœurs, n'oubliez pas, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.